You want a piece of me, boy? Nuclear launch detected. Ouais, ouais. Sois sérieux un peu, c'est bon quoi. Oh! Putain, j'ai pas vu le retour. Ta tête elle est vraiment drôle là, hein. Putain, t'as vraiment une tête marrante. Bah, j'ai des cheveux de merde aussi là. Non, mec, moi je kiffe quand t'as cette coupe de cheveux, je te trouve beau gosse. Moi je préfère plus trop de cheveux que passer. Mais en fait, là t'as le moment où ça retombe sur le front et mec, ça te gratte. C'est un peu mieux que ce que le coiffeur t'avait fait la dernière fois quand même. Ouais, j'ai au coiffeur, vrai, ça... 10... j'ai au coiffeur à 10 balles au coin de la rue. En et vrai, ça mec, ça a bien repoussé hein. Parce que ça aurait pu mal pousser, hein, genre faire un truc chelou. Ouais. Donc j'ai peur de passer au coiffeur. Hein. Tu veux que je le fasse? Ah non. J'ai jamais coupé les cheveux de ma vie, ça aurait pu être un carnage. Je verrais que tu pushes le button. Donc on est parti pour la vidéo de l'Olympique numéro 5. C'est quel button? N'importe lequel. Ah, je sais pas. Ah. Wouah, Shield! Cette balle qui est... D'ailleurs, Shield, je refais un badge de t-shirt. Oh, merci à toi, Smile. J'ai envoyé des t-shirts. Quand ça? Lundi, mardi? Ouais, c'était ouais, lundi. Ouais. Et lundi? Dedans non, j'avais pas son adresse, mais je lui en envoie. Je refais un badge vendredi. D'accord. J'aimerais bien tous ceux de qui. Donc voilà, là, peut-être il aura deux t-shirts, ça que tu veux dire? Mais surtout, en fait, les personnes qui n'ont pas encore reçu leur t-shirt et qui savent qu'ils en ont gagné, Twitch TV/Dr Hugo ou Le Bon Oise, on récupère les adresses. C'est toujours un peu galère de les récupérer, mais en même temps, vu qu'en fait le système de donation ne permet pas de récupérer les adresses d'email directement, on peut pas aller contacter forcément les personnes parce que le pseudo ne correspond pas forcément avec la personne et tout ça. Donc on procède comme ça, ça évite qu'il y ait des gens qui bullshit parce que malheureusement en fait il y en a toujours. Est-ce que tu peux faire le tirage aussi Matmal si tu veux? Ouais, on peut. Attends, elle a pété Est-ce ouais, que ça maintenant il n'y a plus d'explosion? Si, si, ça fait pa. Je suis un peu trop con en fait. Bah mec, il a donné 100 boules et il a dit il y a une barre à moitié pleine. Non mais je suis con. Excuse-moi, je suis con. Moi je te love. Excuse-moi d'être con. Et est-ce que vous m'excusez? Bon, en fait, faut bien comprendre Shyle, même s'il gagne pas, on lui offre un t-shirt parce qu'en fait il a fait 4 fois un don. Enfin là c'est le 5ème don à 100 balles et pour l'instant il a toujours pas gagné la barre de kiff en fait. Donc sachant qu'en fait il avait 110 chances, il avait 100 chances sur 110 de gagner 4 fois d'affilée, il l'a pas eu. Donc là nous on a décidé de lui en offrir un de base. C'est vrai que là il y a moyen peut-être pour lui d'en gagner un deuxième. Bah, fais-nous le tirage qu'on rigole un coup. Dès là. Qu'il a le temps Matmal, il nous l'envoie. Et pour l'instant on est parti sur une map que je n'ai pas encore vue du coup. Je l'ai pas encore joué, pas encore vu. Et toi? Last and found, je l'ai vu, je l'ai joué. Et c'est... Non ouais, la barre de kiff, le tirage barre de kiff mon bro. Ah ok d'accord. Ah ouais, tu t'absentes. Je viens d'arriver, il a dit. Tranquille le mec. Tranquille le mec. Vous avez la pression pour rien. Vous savez ce qu'il est en train de partir sur un classique. On verra si c'est le build qu'on vous présente demain, qui est ultra standard. Il n'y a pas de question à se poser dans ce match. Batman. Oh. Bah, il va all-in, hein. Ça, c'est bah, pas, ça c'est pas défensif. Hein. Non, il bah, n'y a pas de raison, hein. Il est un peu tôt pour que ce soit défensif. Et du coup on va le voir côté zest ou pas? Parce que du coup faut absolument garder l'oracle en défense. Tu chronoboost l'oracle et tu le gardes en défense ou tu fais un void ray? Qu'est-ce que tu fais d'ailleurs? Oracle ou void ray? Free DPS continue ou violence, violence ultime? Je sais pas. Du coup t'as avalé de travers? Bah je sais pas. Oh non Hugo, t'as pas l'air bien. Oh non, oh, oh non. Oh non petit père. Oh non. Il a avalé ça de... Oh, il voit le Batamane. Il voit le Batamane. 10 Zerg ici qui sont en production. Il va choper un drone. Ouais, en vrai c'est cool. Tu t'en sors? Tu vas te vomir dessus. What the fuck? J'sais pas. Ça, t'as avalé de travers quoi, t'as avalé ta salive là, ça non, arrive. Non, hein. Je sais pas, j'ai le corps qui me gratte là, d'un coup. Ah, un petit chat. Ouais. De la poussière. Est-ce que t'arrives à faire le tirage Matmal? Ouais, fais-le maintenant, mec. Après le banning blast, du coup, parce que là, oh, ça va. Le split est bien. Et pour la question oracle ou vaudra, en vrai, je suis même pas forcément sur façon de ton oracle. Oh, le serang. Soxo. Oh. Mais attends, mais mec. Attends. Mais... Ah, t'as mis score screen direct, mais. Merde. Mais il y a 35 contre 18. Ouais, mais mec, genre. Il y a beaucoup de zergling quand même. Hein. Il part du principe qu'il y a un deuxième oracle. Ouais. C'est vrai qu'il y a l'oracle. Bon. Alors du coup, shield ou pas shield? C'est obligé que ce soit pas shield. Mec. Yes. Légitimement, il aura droit à un t-shirt. Yes, shield. C'est bon, c'est gagné mon bro. Ah d'ailleurs. Bon, après, n'hésite pas à continuer à faire des dons. Il me reste plus tant que ça à signer. Il faut que j'en ramène aussi jeudi la semaine prochaine pour qu'on les re-signe. Moi, je les avais pas tous signés, je me souviens. Eh ouais.
faut en refaire signer pour que vous puissiez les avoir dédicacés. J'en ai pas vu de t-shirt signé à Nation Wars. Y'a pas de mecs qui sont avec. Ah, des personnes qui sont venues avec leur t-shirt. Ouais. Je crois que j'en ai vu un. Ah ouais. Ok. Au moins. Mais on en a signé sur place par contre. J'ai pas de Cosby. Ah, de copine en ce moment. Donc ah, du coup, c'est nous qui rince. Du coup, il nous paye les restos à nous. Putain, le régal. Merci à toi, mec. Merci pour tout le soutien pour StarCraft 2. Sachez bien que les dons, bien sûr, ne vont pas dans notre poche au caster. Hein, c'est directement dans la chaîne. Et ça nous permet de faire des choses comme payer par exemple un joueur pro qu'on vous annonce probablement. Peut-être on l'espère la semaine pro. Ça nous permet de créer des émissions comme la poissonnerie, le scan. Peut-être une OGSL, je sais pas si c'est dans les bacs prochainement, Yoko, si tu as envie d'en parler, je sais pas. Mais en tout cas, ou le chômage à venir, tu vois. Voilà. Mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire grâce à votre soutien financier parce que, pour produire une émission, il faut faire travailler des gens et pour faire travailler des gens, il faut les payer. C'est aussi con que ça. En gros, à partir de la semaine prochaine, ça va s'enchaîner genre très violent. Vous n'êtes pas prêt pour tout ce qui arrive. Là, vous êtes là, oh, il y a juste un imbrague. Non, notre planning, il est. Sur notre planning, tout est coché jusqu'à. Après Home Story Cup. Début juillet, on a des trucs, donc on est jusqu'à mi-juillet, avec Valencia, ouais. Bah ouais. Ouais, jusqu'à Valencia, jusqu'au 17 juillet, on a toutes les cases cochées, grosso modo. Ah, on n'est pas peu fiers, on peut le dire. Le boulot est effectué, les gars. Les conditions sont en train d'être réunies par toute l'équipe. On travaille bien. Voilà. On a trouvé notre petit système de fonctionnement. Et du coup ça enchaîne et c'est lourd. Il y a juste un mec qui trim, c'est Noki. Parce que Noki, il est en PLS. On débarque tous les deux et à chacun notre tour avec notre projet on fait. Alors du coup j'aurais besoin d'une DRA graphique pour ça. Oui, tu vois, une petite direction artistique bien propre là-dessus. Combien de jours? À 10 jours. Ah oui, mais du coup En même temps il fait partie de ces génies artistiques, tu vois. En même temps il est trop fort, Noki. Ouais. Putain, envoyez-lui de l'amour sur Twitter. Noki c'est vraiment... Il a une connaissance, c'est insane, hein. Faut le connaître, mais une fois qu'on le connaît, on comprend, on voit ce que je veux dire. Mais ce mec connaît tout. Ouais, j'ai discuté, je proposais des trucs sur le maillot, il fait ouais, mais non, mais ça c'est déjà vintage, tu vois, c'est obsolète maintenant, depuis 2 ans, c'est plus à la mode ce genre de façon de procéder. Ouais, ok. Ouais, non, mais mec. Même la mode du graphisme, mais t'es là en train de... Moi, quand je parle avec lui, il me fait est-ce que tu connais ces vidéos-là en UFC? Non. Est-ce que tu connais cette série-là? Non. Est-ce que tu connais ça? Non, tu vois, parce qu'à chaque fois il va me donner des exemples de graphisme et d'artistique et de trailer et de trucs. Et à chaque fois je suis en mode, non, je connais pas, tu vois. Et après, pourtant, tu connais, ouais, l'épisode 107. Au moment où il me le montre, je fais ah oui, d'accord, ok, je vois ce que tu veux dire, mais c'est vrai que j'ai pas l'exemple en tête et lui il connaît tout. C'est un génie. Et du coup, j'en parlais avec Romy et Romy me fait bah ouais, mais mec, moi ma technique. Je me fous de sa gueule depuis 2 jours avec ses filles. Moi ma technique, du coup, c'est de mater du YouTube en 1,5. Parce que comme ça, tu gagnes 25% de ton temps quand tu regardes du contenu et tu peux en mater plus. Il fait, tu vois, la vidéo fait 30 minutes, à la fin elle fait 40 minutes, à la fin elle en fait plus que 30, tu vois. Bah, du coup, t'as gagné. Du coup, je me fous de sa gueule en mode, t'es comme un putain de nerd pour mater des vidéos YouTube en 1,5 juste pour gagner du temps, quoi. YouTube, c'est en fast cut et tout. Là, ouais. Aïe, aïe. Et lui, mais en 1,5. Et ouais. J'ai essayé, du coup, je fais, mais c'est immonde les voix sur la. Ah, ouais, ouais. Ah bah oui, c'est le prix à payer. Je fais, putain. Quel coup. Ah, en tout cas, il y a un dernier café à lancer du côté de Rogue. Il est pas motivé par cette finale. Tu vois, il est en mode, bah, je vais mourir. Il a planqué sa base. Là, c'est pas vu. C'est juste. Ce qui. Donc, comment ça, il est déjà tier 2. On a 3 minutes 42. Il a pas fait le speedling. Ah, si, il a fait le speedling. Non, il a pas fait le speedling. LOL. Il a fait Sandgast et 2. En fait, il est timé sur l'arrivée de l'oracle qui a fait. Eh, mais il y a pas de B3 en fait. Nos troupes sont attaquées. Oh, il l'a pas vu. Ah, oh, non, mais là, attends, il n'y a pas de speeding, tu t'inquiètes. Hein. Allez, tous les jours, tu téléportes. Hein. Là, il sait, mec. Ouah, tu sais, mec. Il veut que ce soit tous. Oh, ah, il a tellement de kill. Mais il peut quand même tuer, hein. Tu sais, c'est ce moment où voilà, tu poses tes. Il a 23 drones. T'as qu'une gate. Non, mais t'as qu'une gate. Oh, Lidus. T'as qu'une gate. Mec, allez, free win cette game pour Rogue. Y'a que dalle! Y'a que dalle! Ah! Y'a un stalker! Oh, pire, tu envoies tes drones! Oh, drone dans le Linus! Non? Tu fais une spine là-bas. Une spore. Bon, t'inquiète, t'as trop pris. Parce que du coup, t'as même pas le speed. Il reste quand même que 15 drones, hein. C'est pas terrible. Ça fait pas beaucoup. Il y en a quasiment autant au démarrage. Bah, en fait, du coup, il peut camper sur une seule base et gagner la game. Allez, désactiver la game. Oh. La Stargate. La Stargate, elle est désactivée. Bah ouais, mais le problème c'est la double batterie shield. Hein. Ouais, mais mec, il y a qu'un mortel, il va dire non, hein. Il y a pas qu'un photon, il y a que... Ah merde.
C'est chaud ici. Non mais c'est un buzzer en fait qui sort, par contre c'est gagné hein. Ouais mais il faut qu'il sorte hein, et c'est pas sorti encore pour l'instant. On est à 12 propres contre 25 ici. On va te taper sur Limo. Oh la battre shield. Fucking battle shield. Avec les propres, le minéral trick ici pour gagner un petit peu de temps, un peu de surface ou quoi. Non ça tient, il y a le deuxième niveau. Allez, il va mettre allez, des bas. Allez, il y a l'oracle. Pourquoi Rogue il a pas envie de jouer comme ça mec à la finale? Je sais pas, j'en sais rien. Genre là il a pas envie de jouer contre Zest. Là il est en mode non, vas-y, tu. C'est un truc de ouf hein. What the fuck. Je sais pas. Parce qu'il a mis... Le BO était incroyable par contre. Hein. La rapidité du truc. Bah du coup tu dis le même. Bah tu fais un sport. C'est quoi. Pas ce que je faisais. Du coup, sur... un sport et tu mets tes drones de tes deux bases sur Max, une seule base. C'est pas ce que je faisais en OGSL 1 pendant quand je jouais Zerg là. Oh, peut-être. Hein. Toi, tu regardais pas ces games de piste. Non. On peut aller une game. T'es vraiment un enfoiré. J'avais battu, j'avais pris une game à Imre avec ça. En faisant un Nidus. Non, je crois qu'en fait, je me souviens juste de l'image d'Imre qui perd une game et qui est complètement rouge derrière son écran. Ah, il a peut-être honte. Ça. Ouais. Il a honte. Moi, t'inquiète, j'ai beaucoup regardé l'OGSL ces derniers temps et je suis tombé sur ta gueule qui te fait mener 0-2 contre TK. Il dit bon, c'est bon, on peut jouer là. Après, t'as pris un Mass Phoenix en Archon. En Archon, où t'as fini à 38 de pop sur 8. Il n'y avait plus un over sur la carte. C'était trop triste. Et après. Un Terran, t'as retrouvé un Terran et qu'est-ce que t'as été nul putain. Ah putain Yogo, cette OGSL 2 elle était épique. C'était cool. C'était dur. Mentalement, j'ai pris tarot. J'ai pris 10 ans d'âge d'un coup. Bon, y'a pas d'exclusion sur la gold là comme sur cette carte là sur Redshift. On n'a pas encore eu de PVZ dessus. Et Rogue a l'air d'être décidé à être très rapide. Rapidox. Dox, merci. Pour son premier WhatsApp, merci à toi mec. Mais j'ai tellement hâte. J'ai tellement hâte de vous annoncer le joueur. C'est tellement un truc de ouf. On a calé une prédate, mais on n'est pas encore sûr 100%. Bah, tu l'as dit, tu l'as donné tout à l'heure la prédate. Non. Ah non, tu l'as pas donné tout à l'heure. Et non. Tout à l'heure, t'as donné la pré-semaine. Ouais, non, mais c'est ça, parce que tout le monde demande, donc t'es obligé de balancer des infos. Mais les gens, vous t'es un peu de notre gueule, peut-être, non? Bah oui, mais en même temps, on peut pas spoiler quoi. Tant qu'on n'est pas sûr de Nobby, on peut rien dire. C'est ça. Ouais, mais c'est vrai que c'est un truc de ouf. En fait, on nous l'aurait dit il y a 6 mois, on aurait fait. Boulos. No, ouais. Ouais. On aurait fait mine. Parce que ça fait quoi? Un mois et demi qu'on travaille dessus. Ça a été quand même plutôt rapide, hein. Entre le moment où... Enfin, on avait déjà des idées. L'annonce de la route tout poutre. Non, le joueur. Un mois et demi. Ah oui, oui. En fait, on monte un peu vite. Ça a, pour été, les a... ça a été après Nation Wars qu'on s'y est collé. Donc, même pas Nation Wars, ça fait même pas un mois, mec. Ah, si, ça a commencé il y a un mois et demi. Ouais. C'est ça. Et voilà. Si, le seul truc qu'on a dit aux gens, c'est que c'était notre deuxième choix. Parce qu'on en avait eu un autre avant. Ouais, voilà. Qui est pas passé, ouais. Qui est pas passé. Alors, en tout cas, ici, on est avec Zest qui va mettre un petit coup de pression avec son AT. Classique après avoir eu la prop pour empêcher cette pose de base sans le moindre zergling. C'est dur de faire du teasing, vous savez, c'est plus dur pour nous que pour vous même, je pense. En fait, on n'a pas le droit de se rater sur ce qu'on dit. Ouais, mais et même puis nous, on sait quoi. Puis on a envie de le dire aussi parce que c'est cool. Et on se dit en tant que viewer, j'aimerais bien savoir. Tu vois. Aïe. Pourquoi tu me fais une voix coquine comme ça par contre, Yogo? Parce que tu parles le truc excitant, tu vois, c'est tout. À ton avis. Aïe. Oh le micro. Okay. Oh. Oh le coup de taser. Oh le taser avec 3 drains. Ouais, non mais mec, elle a mis un coup de taser et vraiment le petit filet, il a augmenté la range plus que d'habitude. Ouais. Là on a les adeptes qui vont TP à la maison, donc faut compenser. Voilà, t'es un peu frustré, t'y vas. Mais si on tombe à un adepte, ce qui va être le cas très vite. Oh. Oh. Il le focus pas. Bah ce qui fait qu'en fait on a gardé le one shot pendant un peu plus longtemps que prévu. On a eu un drone de plus quoi. Ouais. Pas mal. Maintenant ça reste 3 drones pour il y a 2 probes en face et il y a les 2 adeptes qui sont tombés, donc c'est un peu chéros quand même pour Zest ce début de partie. Mais il tryhard aussi la prise d'information hein. Il s'est fait bourrer 2 fois donc John il s'accuse. Ouais. John Doe. Ouais. Il a la peau douce John Doe. Merci à toi mec. Quoi? On regarde pas comme ça ouais. Vas-y frère. Oh mais attends, mais là il lui prend son cyber là. Non.
Si si. Non. Si. Non. T'as pas de battery shield hein. Non. Mec. Non. Si je te dis. Non. Ok vas-y. Tape moi la main. Non. Oh là là. Le Wormgate. Holy fuck. Oh wow. La game dure. Après un Wormgate pour faire des zélotes, des slow zélotes où tu peux pas taker. Mec c'est tellement trop, il est trop bien dans la game Rob là. Mais ouais. Chambre d'évolution. Mec c'est trop bien dans la game. Il y a 10 lignes relancées. T'as une pocket expand mais c'est la gold. Et en fait en B3 tu ne peux pas. Oh il la met devant. Et il a un wall dégueulasse. Speed over. Pourquoi il fait speed over? Tu peux pas dropper. On peut lancer le T2 en même temps sur une autre hatch. Pourquoi tu fais speedover? Pour prendre la vision. Intéressant. Et là tu vas voir, il va regrouper ses 4 queens sous un over et on va être là. Oh putain. Oh le con. Il s'est dit c'est bon, c'est pas encore le patch des maraudeurs donc je peux encore dropper. Non non Rogue, fallait jouer entre temps. Ah bon. Mec. Oh, pourquoi speedover? Parce qu'il voulait faire un contrôle. Peut-être non, peut-être pour savoir la transition exacte. Pour savoir si où est-ce qu'il peut Badling Bust. Bon là il va prendre la B3 en tout cas. Je sais pas s'il n'y a pas une unité hein. Ouais ouais. Oh il a chopé le phoenix. Bah très bien, au moins ça va lui permettre de shooter. Ouais. Tiens, il lance le Nexus sur le timing de la pause. Ça lui permet aussi peut-être en cas de bah du terrain de les planquer et de garder un map, maximum de map contrôle. Ok, c'est un développement assez intéressant. Mais du coup, pourquoi tu fais aussi ta chambre d'Evo? Je sais pas, mec. J'avoue qu'il a fait chambre d'Evo Speedlord, genre. Est-ce que le mec il a pas cru que c'était, pas, c'était un autre patch? Non, c'est impossible, tu vois. Genre. Oh, ouais, mais mec. Et pourquoi du coup? Peut-être qu'il se ravit sur son choix. Je crois qu'il donne l'impression d'être teubé, mais ça reste un génie de Starcraft quand même, tu vois. Est-ce que c'est pour le feinter les gens en mode. Faut une chambre d'évolution pour faire le drop. Et en fait, non. Fais voir la B3 vite fait de Zest. Là les oiseaux mec là, je les flingue tous, ils me saoulent dans leur déplacement, ils sont archi relous. Mais ouais, genre ils sautent, ils font flipper. Mec, ils prennent de. Enfin ils sont ouais agressifs tu vois. Ouais. Allez vol. Voilà. Non. Comme ça là. Non, mais il est coincé, moi je l'aurais un clic direct. Un Urubu mec. Qu'est-ce que c'est ça un Urubu? C'est de la famille de quoi? Des crustacés sûrement. C'est crustacés. Ok, ça c'est bien fait. Ah, classique, classique ZS double robot, ça je kiffe. Allez. Allez, solide, massif, le monsieur. Faut faire beaucoup d'immo. Ouais. Beaucoup, 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 beaucoup. Mmh. Oh. Non mais là, t'as de l'économie, je sais pas comment tu prends les combats là-dessus. Parce que... Bah en fait, juste là, tu peux prendre une concave de l'infini tout en emmenant un peu de population là pour run by. C'est cauchemardesque, je pense, à défendre là pour jouer Protoss. Ouais, non, c'est de la merde. C'est de la merde. Maintenant, ceci étant dit, ceci tu peux étant dit, oui. Des élotes partout où tu veux. Ouais. Pardon, je sais pas, j'avais envie de te troller. Excuse-moi, je te kiffe, Yogo. Ah non, 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 non. Ne tape pas. Regarde, il y a une cryptumeur au niveau du pose de hatch, on est sur la B4 là. Non. Mais avec c'est, je peux le montrer. Ah. Enlève ce sourire de chien. Enlève ce sourire de chien. Non, c'était quoi ce à gauche, là, regarde, au niveau de la B4 à gauche de Rogue. Voilà, il y a une cryptumeur de mort. Voilà, ça c'est la cryptumeur du noob, ça un peu, tu vois. C'est ça, tu peux pas poser ta base. Ouais, ouais. Ça m'arrive souvent, c'est genre. Ouais, je te vois le faire. Ah, il va la clic maintenant? Non. Mais en vrai, c'est relou. Bah, en vrai, parce qu'au moment où tu veux faire et que c'est les moments où ça va vite, parce que ce sera la B5, ouais, ouais. Ben. Tu peux pas arrêter à coude, mais tu vas 50 pas... ans quoi. Genre le shift click du drone sur le A-click. Enfin, non, tu ouais, vois. Non. C'est méga schlag. 50 points de vie. Il tape 10 fois le drone. Heureusement, ça a 0 points d'arbre. En plus, ça doit régénérer cette connasse. Non. Et oui, ça régène parce que comme tout zerg, tout est pété là, c'est bon. Ouais. Décevant. Disrupteur, fais-moi du disrupteur s'il te plaît. Non, pas de disru, j'aime pas. De toute façon, j'ai envie que Yogo il soit frustré, fais des colosses. En plus, il a fait des colosses tout à l'heure contre Keen. Moi, je dis, il kiffe le colosse. Yes. Ah ouais. Ok. Peut-être yes. Pour harceler cette base, c'est spécialement. Ah ouais, voilà, c'est ça. Est-ce que tu peux, tu montes là et après tu vas là. Ah oui, et puis après tu recalls et tu perds la moitié de tes colosses sur le chemin. Mais il a fait que des moves sexy bien maîtrisés jusqu'à maintenant. Enfin, au moins, peut-être contre King, c'était beau tout ce qu'il entreprenait avec les recalls et tout. C'est vrai. Très entreprenant, Zest. Qui est en balle de match là.
pas le droit à l'erreur dans cette... Enfin, il peut... Bah, cette finale, pour l'instant, elle va en fait très très vite. Hein. Les premiers matchs étaient méga stylés. On vous recommande, si vous avez raté le Kin contre Zest. Ouais, lui, il était insane. Il était complètement fou. Il était fou. Il était pas insane, il était... En général, il était assez fou. Il était pas trop. Oh! Ah, c'est dur, hein. Oh là, mec, t'es le mec qui était dans le... T'étais le pilote, là. Genre. À travers le ton siège, derrière, il y a 14 pics qui sont sortis, genre... Terminé, quoi. T'as lâché un peu de sang bleu et tout a explosé derrière. Oh. T'es sur le creep, là. Oh, oh, y a un trou. Oh, hyper incendry. Ils sont où, les colosses? Il y a deux colosses, pourquoi ils sont? Ils sont en planque à la maison, au cas où. S'ils avaient des PS dans cette fight, en vrai, ils auraient fait un carnage, non? Ah, il a raté le champ de force, tu pouvais pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Et là, c'est la course. Il est à temps pour aider. Oh! Oh! What the fuck? Non! Zest! Ça vaut pas la mine de tout à l'heure, mais quand même. Ouais. Ah bah, il aime bien donner beaucoup de prop d'un coup, Zest. 40 pain. Il veut vraiment faire un timing par là. Hein. C'est cette zone qui l'intéresse, ça lui fait peur cette gold. Tu veux le blink-in de l'unité qui aurait pris un tarot si jamais il y avait eu un pauvre Zergling. Avec l'heure de position par contre. Hein. Ouais. Aïe aïe aïe, allez faut rapatrier. Super, oh, ta B3. Encore les probes. Oh les probes. Oh. Il y a tout qui a pété là en bas. Ah non, il y avait un seul. Oh l'encerclement. Je sais pas, en fait il tient Zest. Ouais, mais il a perdu 11 probes. Oh, oh non. C'est du 2 d'attaque, hein. Un Bane c'est une probe. C'est 20 probes s'il faut. Ah, il va, a un shot, hein. Je pense qu'il va avoir 0 probes. Je pense qu'il va tout lui tuer. Oh, 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 il joue, on dirait qu'il joue au petit mode là, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Le Raynor parti. Ouais, c'est ça. Attention, regarde là, il va finir les probes. Mec, il va finir les probes. Zest il peut. Regarde, il va finir les dernières probes. Mais là il peut gagner sur ses attaques quand même, hein. Ah, il a beaucoup d'armes là. Bon, faut être la même avec un priest. Oh non. Oh, il y a pas assez de chance. Il est pas dessus. What? J'ai pas un... Mec, il a plus de pop. Ouais, non mais en fait, il a pas les bannings, les armes au contact, il a pas de. Elles ont pas détonné encore. Elles ont pas encore. Fais return to game quand même, j'ai envie de voir. Un mic, ouais, reviens de spi. Genre là, il perd la fight, hein. Il y en a beaucoup des bannings. Mec, ils ont pas encore pété, mais en slow. Non mais ça marche pas ça, putain, mais on n'est pas des noobs à ce point là, tiens, mais moi, putain, je te chure. Mais moi je vais comme ça pour aller plus doucement, non, je te jure. Vas-y, mais là... Genre là les Bane ils vont pas péter au cac, en fait. GG, ça a pas encore pété. Regarde, parce que... t'as qu'un shot fort. Non mais, mec. Non mais laisse, pas besoin de mettre pause. C'est pour... Ah ouais, pour arriver à 24. Non mais laisse tourner jusqu'à 24, on tu va vois, regarder. T'es... Ah ouais. Ah, ouais, genre, j'avoue. Mais en même temps, moi et je à vois. À la fin, t'as plus rien. Mec, à la... moi à la fin, je vois 56 de pop armé. Mais Zerg a. Il y a 16 Bane qui arrivent en plus. Non, t'as perdu avec l'air prod. Et t'as 20 prod. Et t'es saoulé surtout. Ok. Ouais, je trouve qu'il GG un peu vite, tu vois. Peut-être bien. Moi, je me serais battu en fantasy style, tu vois. Mais tu fantasy. Ni Zest. Moi je suis là, moi. Et ouais, et nous on est bien. On a Zest contre Rogue. Trois parties quand même sacrément violentes. Aux antipodes de ce qu'on a eu jusqu'à maintenant. Pourquoi le chat là ? Je suis de la merde. Tu me saoules. J'ai ramené de la bouffe et j'ai pas mangé encore, comme d'hab quoi. Je suis tellement. En même temps, mec, tu ramènes de la bouffe, mais t'arrives à 18h50 pour un cast à 19h. Faut s'y attendre quoi, tu vois. Si tu vis. Je suis arrivé à 18h35. Bah pourquoi t'as pas mangé à ce moment là ? Parce que je dis bonjour aux gens, j'ai discuté. C'est là qu'est l'erreur. Là, l'erreur, c'est que tu vois, tu prends ton petit tube, tu le mets dans le micro-ondes, tu te pointes à côté de moi, tu fais yo coca, viens, on parle boulot et tout. Ouais, bon, du coup, voilà. Ouais. Et en attendant, après, ça fait bip bip, tu vas chercher d'autres, tu manges en parlant. Et j'ai discuté avec d'autres gens, quoi. Eh ouais. Mais qui est si intéressant que ça pour que tu manges pas? Et toi, tu semblais être planqué. Comment? C'est comme ça. Moi, j'étais planqué, je t'ai pas vu au début. Ouais, voilà. Ici, en train de manger. T'es en bas à gauche, on a Zest. En bas à droite, on a Rogue. Mais mon mec, pourquoi tu nous fais des intros là, Team Windshape? Il parle comme ça? Ouais. Je prends des protes. Ouais, il fait un petit thé vert et à chaque fois je fais oh putain. Mais d'ailleurs, je peux plus regarder ces vidéos. Hein. C'est horrible. J'avais de l'affection pour cette personne au début, mais là maintenant je ne peux plus. Ah, je ne peux plus. Mais d'ailleurs, YouTube Games, c'est très dur à regarder. J'ai l'impression qu'il a.
il a perdu son groove, tu vois, les gens ne le suivent plus, ses vidéos font moins de vues. Ouais, j'ai l'impression qu'on est sur une fin de Thibaut Inchia, il va falloir se renouveler, tu vois. Bon, c'est mon petit call. C'est la grosse problématique de genre de truc où c'est genre, enfin, bah, c'est un truc qui marche bien. Faut balancer du contenu non-stop et genre la plupart des youtubeurs c'est enfin d'un autre côté, même nous le premier, faire du contenu en fait H24, on se rend compte à quel point en fait c'est très compliqué de renouveler un peu le game. La chance c'est qu'on a l'esprit de compétition et la compétition c'est quasiment indéfini, mais voilà quand même. Mais pour eux genre ah, y en a, c'est Squeezie, je sais pas comment il fait pour faire des vidéos depuis 8 ans quoi, tu vois, genre tu fais des vidéos de merde. Bah en vrai Squeezie c'est pas mal maintenant, moi j'aime bien, mais non, ça fait longtemps que j'ai pas regardé Squeezie. Mais après il en fait que 2 par mois, par semaine maintenant, enfin que 2 entre guillemets, c'est énorme, tu vois. C'est quand même, c'est pas lui qui les monte. C'est ça a jamais été la plupart des youtubeurs. Bah non, mais en fait depuis qu'ils ont tous fait racheter par Webedia, oui forcément c'est plus eux qui taffent le plus, tu vois. Mexicom, tout ça. Mais tu vois à la base, si, quand il a commencé dans sa chambre, il a monté hein, il a pas évidemment, il a pas recruté un type tout de suite hein. Ça fait que genre 3-4 ans je pense que c'est plus lui qui monte. En tout cas, c'est l'évolution du YouTube game. Enfin, d'internet en fait. Hein. Ouais, internet change de forme. Ça, et puis ça a beaucoup de chamboulements à chaque fois quand t'as les nouvelles façons de t'aider, les nouvelles monétisations de YouTube avec les nouvelles censures et tout ça. Ouais. Je croyais un peu, genre, juste plus DeepAI par. Vu que c'est le plus gros YouTuber. Hein. Ouais. Juste par. Pour voir quoi, ce qu'il fait. Ouais, parce que t'as un bouton. Ils sont plein tout le temps, mais tous les jours il y a une vidéo de 10 minutes qui sert pas à grand chose. Après tu vois c'est son truc. C'est pas intéressant ce qu'il fait, mais c'est pas nul comme beaucoup de youtubeurs font. Parce que je veux dire, Runa c'est vraiment trash et ils vendent leur boule en faisant vraiment de la merde. Ouais mais enfin bon, lui c'est un peu Cyril Hanouna style là, je trouve. Sauf que c'est en anglais, du coup on pardonne plus quoi presque hein. Mais honnêtement mec, entre ça et ah, mais non, PNP, ah non, mais y a pas d'intérêt à regarder ces vidéos, tu vois, c'est pas débilisant. Tu vois ce que je veux dire? Genre tu regardes Logan Paul, t'es là en mode oh là là, c'est le mec, il est là pour son public de gamin, où en fait c'est la star de la cour de récré du primaire hein. Ah ouais. Mais littéralement c'est affligeant. Ouais, okay. Je connais ni l'un ni l'autre. Alors qu'en vrai Logan Paul quand il a commencé genre sur Vine, c'était beaucoup trop drôle ce qu'il faisait. Après bon voilà, bref c'est terrible quoi. C'est parti. Après toi terrible. Yogo, t'es quand même un amateur de 9gag, tu vois. Ce qui est perdre. Un truc débilisant quand même. Ouais, y'a pire. Ah ouais. Sur internet y'a bien pire. Aïe. En tout cas on part sur Stargate classique, toujours le fin Phoenix. En premier tu dégages l'over, l'oracle, il arrive ensuite complexe robotique et tu vas enchaîner sur un conseil crépusculaire qui est d'ailleurs voilà, un tout petit poil leur retard. Vous voyez les thunes là, on a mis un petit peu de temps avant de le lancer. Un petit peu off timing, on était concentré à je ne sais pas trop quoi. Regrouper peut-être ces deux unités aériennes, petit passage, on vérifie bien que le tier 2 est lancé, ça va éviter de se faire balling bus, ce genre de choses. Plutôt pas mal ici comme intervention, genre 3 drones c'est cool hein. 3 drones c'est très bien, là ça t'a pris des points de vie et pas grand chose hein. C'est à peu près tout. Et c'est Bleu qu'on va vous présenter demain. Enfin, peut-être qu'elle vous présente très précisément demain. Cœur sur vous, merci à toi Seiya. Saint Seiya, bientôt reproduit par Netflix, hein. Il va y avoir un nouveau truc Saint Seiya je crois. Waouh. Une nouvelle saga où je crois qu'ils refont peut-être la même chose en plus court, plus moderne au niveau des dessins et tout. Hein. Il y a un truc Saint Seiya qui aura lieu sur Netflix. On verra. 5 Gate. Ah, c'est beaucoup, il me semble. du BO que j'ai écrit, je crois qu'il y a un moment où tu rajoutes 3 gates. Bah, en théorie, c'est 3 gates Nexus. Hein. Ouais, ça, c'est 3 gates. T'as le Nexus. Là, il y a 2 gates de trop. Donc, il va nous faire une pression. C'est comme un terrain qui fait 5 cracks puis B3 et pas B3 puis 5 cracks. Ouais. Ah, ça, c'est plutôt cool. Hein. Ouais, il est bien placé là. Oh, le petit pylône pour bloquer. Oh, oui, c'est bien fait. Le SimCity, c'est hyper important pour ce genre de truc. Parce que même si vous partez sur une agression, avoir votre base, c'est quand même. Déjà, ne serait-ce que pour le main game, en fait, c'est hyper intéressant. 11 mois pour mon anniv. Merci Alva. C'est beau. Merci à toi Alva. Il y en avait un autre tout à l'heure aussi, c'était son 11e mois. Vous êtes copains d'anniversaire. Maintenant on a identifié, tu vois, Rogue, il est très bas en termes de drone, il est sur l'hydralisk, il a beaucoup d'air inactif, il a un creep qui est bien étendu. Je pense que là Zest ça charge par contre, elle a la bourre. Maintenant est-ce que son cycle de warp, il peut warper? C'est un peu foiré sur la macro. Maintenant, il a mis vraiment beaucoup de pression, Rogue. Au moins, il dispense toute cette thune d'un seul coup.
Et voilà, on est en train de rajouter des zélotes. Hein. Donc la version agressive ici qui est en train d'être déployée du côté de chez ZS. Et puis on se rend compte qu'il y a trop de pop. Hein. Donc il va falloir faire une transition. Et on ajoute quoi? Une deuxième robot? Est-ce qu'on va aller chercher la Storm? Est-ce que David, est-ce qu'on refait juste un cycle de zélotes histoire d'être safe quand même? Non, c'est la Storm qui est en train d'être relancée très très rapidement. Ouais, ouais, finalement on est retombé un petit peu sur ses pattes pour retomber sur un style de jeu un petit peu plus standard. Faut aller décryper, voilà, faut faire un petit dops. D'ailleurs, je crois pas qu'il est dops. À ce timing là, en fait, voilà, normalement t'en as toujours un qui arrive, c'est pour décryper avec tes deux archontes. Et c'est un truc qui est venu assez récemment, enfin au moins d'être hyper actif. Ce qui est marrant qu'il est tombé récemment, parce qu'en vrai, c'est assez logique quoi. Alors, ouais. C'est marrant qu'il y aille avec les îlots quand même. Pas des unités que t'as envie de perdre pour du creep. Hein. Non, mais ça te permet de faire un multi-front en fait. Ils sont là, ils sont au milieu du terrain, et puis en fait, tu vas refaire un cycle de warp de zélote dans la main, et tu mobilises à d'endroits différents. Et surtout, si le mec il arrive pas avec des bains, tu peux toujours. Soit tu fais demi-tour parce que tu vas vite, soit tu peux recall. Non, c'est bien ce qu'il fait. Hein. Là, il mord à l'hameçon, Rogue. Hein. Ouais, mais attention. Ok. Allez, boum. On descend. On va mettre des doigts d'honneur. Alors c'est beaucoup pour un hydraliste, mais d'un autre côté, voilà, ça t'a rien coûté. L'autre côté, t'as cumulé tes zélotes, t'en as pas perdu un seul. On galère un petit peu sur les prises de gaz et tout ça. Recall de quoi? De l'immortel? Ah, il y avait un immortel misclick. Ouais, ralliement d'ops quoi, sûrement. Ouais, ouais, ouais. Et Battleworker hein, qui est what train de... Il a quelle gueule, mec? Là, c'est le dernier patch. Enfin, l'avant-dernier, du coup. Non. What the fuck? C'est pour le différencier du Battle Hydra. Marrant. C'est la langoustine, comme on l'appelle. Mais mec, pourquoi c'est la première fois que je vois ça? Parce que tu connais pas StarCraft 2. Okay, c'est plus non, mais du coup, on l'a vu deux fois, c'est depuis deux semaines que c'est comme ça. Ah bon? Ok, d'accord. Ouais. C'est marrant ça quand même. C'est marrant, c'est les petites attentions de Blizzard. Mm. Comme les glaives des adeptes qui sont maintenant colorés. Ouais. Qui sont orange. Voilà. Ou les pics des Hydra qui sont plus épais. Ils ont ça maintenant? Ouais. Tu vois, quand ils ont l'upgrade, ils ont leur pic, leur dard il est plus épais. J'ai même pas fait gaffe que vu que j'ai les skins. C'est vraiment très très léger. Hein. Mais c'est comme je disais, un maraudeur concussive devrait avoir un tir spécial aussi, tu vois. En toute logique. Ouais, ouais. Un maraudeur concussive, il devrait pas avoir la même animation de tir qu'un maraudeur normal. Même si le slow est très rapide hein, derrière. Mais bon. Il est vrai. Logique d'équilibrage, c'est ça. On a du leur cœur. Mais si on n'a pas la carapace pneumatique, bon, c'est un peu dur pour mettre le multifront. Il va falloir le faire à l'ancienne. En répartissant sa pop, sans se faire abuser par le prisme transfert, on a double robot, sachant qu'on. Oh là là là, on en a déjà une, hein. Donc là on part sur trip. Ouais, ça va faire beaucoup d'units, hein. C'est là où t'as du lurker. Attends. Tu sais, regarde, les pics sont assez épais, hein. Ah, des attaques, ouais. Ah ouais. Ouais, c'est pas sur l'unit, c'est le tir. Ils sont vraiment visibles, les pics, tu vois. Ouais. C'est plus juste les petites fléchettes de Sarbacane. Avant on faisait. Voilà, on voyait pas l'attaque, on savait pas trop quoi ressembler. Maintenant c'est. Mais avec. Tu vois. Avec des grosses mines de crayon. Ouais. T'as la peau fraîche, hein. Ça tourne là. C'est un peu ça. Donc sur combien on va finir d'immortel? 15, 20, voilà, c'est un peu le plan. 200. Il n'y a pas de limite hein, sur le nombre de. Alors, en même temps, il en avait que deux. Il s'est concentré sur. Des achetés. Bah ouais, des achetés, des archontes et puis la Storm surtout. Et il veut rattraper du coup son compte. Hein. Oh ah, c'est chaud hein. Là, on est quand même bien siégé. La Storm qui est dodge, bien rogue. Les mécaniques incroyables. Oh non, les zélotes. Oh, il était en siégé. Il était en tenir position pour laisser passer les zélotes, comme oh, il a fait. Mais là, il fait pareil. Oh, oh mec, imagine, il y a pas de détection si. Ah, si, il y a de la détection, il y a le photon. Oh, il split bien. Oh, il les voit pas tous, hein. Il les voit pas tous avec son ops. Il envoie la révélation avec son oracle. Ici, il va abandonner sa B4. Tant pis pour la B4 côté Zest. Là, faut aller faire une révélation. Oh, mec, il en a eu qu'un des deux. Oh non, il a noobé. Ah, ok, ça va. C'est bon, il a l'autre. Au moins, il est au taquet là-dessus. La base de devant qui a été prise du côté de Sherrock, c'est plutôt intéressant. Ça lui permet en fait de mener son front jusque-là. Ça cool comme idée. J'ai limite dire que je vais lui voler parce que cette carte est encore dans le map pool. Hein. Mais toi, t'es vraiment un voleur, toi. Eh oui. Tu crées rien, gars. C'est le mec. J'ai plus le temps. Avant, je faisais mes BO. Maintenant, j'ai tellement pas le temps de jouer que. Tu faisais tes BO avant. Ouais. Ah ouais. Mais ça marchait, ça. Mais oui, mec, je me souviens de la période terrasse de Prion où tu sur compte Terran, t'avais 42 drones et 6 bases, quoi. Oui, genre ces BO là, voilà, c'était excellent. Avec le face plus 1 et tout. Ouais, je prenais mon tarot, moi. Putain, je
parlais chinois, j'arrive avec mon Kokabil, j'avais une bécate, il y avait une bécate finish déjà. Ouais. Est-ce que tu crois que lui il va parler chinois face au 18 lurker hein? C'est possible hein. Oh, il y a même plus de place en fait. Après il croque de la storm un peu hein. Là il est en train de planter, on est dans de la... Oh là là. Mais non, on est dans de l'agriculture de industrielle de masse là, on est en train de planter des champs de lurker. Les uns à côté des autres, c'est... 21. C'est quoi ce truc? What the fuck. Attention ici, par contre, ils sont tous dans le rouge et les Imo qui vont arriver, ils vont peut-être tout déblayer simplement. Attends, les Imo. Non mais mec, les Imo ils déblayent tout. Ils nettoient tout. Ils nettoient tout. Oh mec. Oh mais non. Il en avait 21. Oh, attends, il en reste encore 4. Hein. 3, 4. Oh, il va tout perdre sur le dernier, mais les gars là. Oh, tout Imo. Par contre, il y a des zélotes partout là. Ça, c'est rude. Hein. C'est la Cisani, ouais. C'est quoi ce all-in de l'infini? Pur leur cœur. Je sais pas si c'est Rock qui pète un câble ou si vraiment ça. C'est lutte. Maintenant, c'était tellement serré que. Oh, mec, il s'est fait snipe instant de son observateur. Tu sais, il avait parfait d'upgrade. Hein. C'est vraiment tout était dans le timing. Peu de up, pas de tech et genre toujours plus de leur cœur. Et le lurker qui meurt, je les remplace par plus de deux lurkers que je ramène devant. Mmh. Et t'espères avoir la masse. La masse. Critique. Bon là il peut envoyer de l'imo hein, le père Zest. Il a posé B4 en haut à droite. Il a abandonné celle-là, genre bon elle est là ça. Il y a encore des lurkers dessus. Il n'y en a que deux mais ils sont là, hein. Ils sont bien placés. Et bon, il a refait masse lurker. C'est une sacrée unité hein, en même temps le lurker moi je trouve. Ah bah tu l'as. En fait si tu si t'arrives à mettre un pro 1 ou 2 shots gratuits tout de suite Ah, c'est comme les tanks hein. Ouais. Vraiment la même logique. Le quand ils arrivent les suivants ah bah ils tuent beaucoup hein. Il leur fait masse. Je sais pas si le 1 de défense est si intéressant que ça dans ce genre de situation. Genre le 2 d'attaque pour tel lurker c'est pas plus pertinent. Je vais pas remettre en question ton jeu mais Je suis d'accord pour dire que le 2 d'attaque c'est cool. Maintenant peut-être que c'est pour qui sommes-nous quoi. Ouais c'est ça, qui sommes-nous pour pour juger un dieu pauvre minable que nous sommes. Ouais. Attention, non c'est pas ouf hein. Ils forcent en fait l'engagement. Lurker là qu'on fait. Oh merde, qu'on fait le boulot de l'autre côté. Il y a trop de lurker presque. Pas tant mec, tout à l'heure il y en avait plus. Non mais trop de lurker dans le sens où. Ah oui, pour passer cette rampe par soi-même. Ouais. Bah ouais. Oh il se fait à clic. Il se fait à clic storm. Il est obligé de fuir. Bah après tant mieux en fait que genre full lurker ça fonctionne pas parce que sinon c'est là la gueule du game hein. Ouais. Allez, attention la charge ça. On est sur 11 lurkers, on est encore en train d'en refaire. On vient d'abattre les bouchers. La pop qui est égale hein. La pop qui est égale mais elle est bien plus quali chez le joueur Protoss que chez le joueur Zerg. Ah complètement hein. Bah là il se déterre mais je suis pas sûr qu'il ait envie de faire ça en fait hein. Là, il a pas envie que le Protoss il prenne une position. Il prend concave et il le massacre hein, la Zest non. Oh, il a pas de zélote pour tanker, donc je suis pas sûr qu'il puisse en gagner. LOL! Ah bah ouais, mais mec, non, mais. Il t'en fout tellement en même temps, gros. Non, mais du coup, il a activé les shields, les tueurs, il repart, il a pas perdu un link, c'est excellent ça. Hein. Mm. Si tous les immortels sont mid-life, t'inquiète qu'ils vont pas tenir longtemps face au lurker. Il y a 3 autres qui arrivent là. Il va faire beaucoup, beaucoup d'immo. Il va passer de 8 à 11. Ça va être efficace et pas cher. Ouais. Voilà, la petite position relou, ne serait-ce que prendre un gaz. Oh! Il la dodge! Imagine, il refait. Non, quand même pas. Il n'est pas tout le temps dessus. Oh! C'est quoi cette game? Elle est incroyable. Cette soirée était belle, hein. On a été gâtés. Elle est cool. Elle est trop cool. 17 lurkers. Oh, il la clique. Il se fait. Jamais il se fait bait et il se dit, bon, bah alors du coup, je vais défoncer ce lurker, voilà. Ouais, il en fait. Et s'il va abattre leur corps de 21. Oh là là, mais il prend trop facilement les lurkers. Et là, t'engueule, mais du coup, t'as que les lignes. Oh, il y a tellement, regarde à gauche et tout. Oh, oh bah là, ouais, non, là, c'est le nettoyage. Hein. C'est le nettoyage ici. Zest qui va remporter cette Holy Moly. Avec un 3-1 bien vénère quand même. Hein. Il a dit non au all-in et là, oh seul. Car 51 lurkers. Il trace en ligne. Pardon, et que 33 Hydra surtout. Bah oui, 51 lurkers abattus. Ah, ce sac de rogue. Ouais, qui est en train de se faire Mighty à clic par un Protoss. GG.
Holy fuck. En vrai, t'as l'impression qu'il est venu s'amuser, tu vois, dans la queue. 9 000 à 34 000 de perte, quoi. Makes no sense. Et c'est tard. C'était bizarre, cette dernière game. Enfin, full leur cœur. Tu sens que... Ouais, après, c'est l'Olimo League. Les joueurs, ils sont pas au 100% tryhard. Non, ils tentent des trucs. Ils l'étaient, franchement. Mais celui-là, c'était en mode... Un petit peu à la Zub, quoi. Un petit peu à la Zigounette. Hein. T'es qui, elle a dit qu'il y avait une game 5. Il vous a menti. C'est un menteur. Il y a eu 3-1 pour Zest. Eh oui. Ah, et ben voilà, ça conclut cette petite soirée. On va remercier surtout Chill. Oh là 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 là, cette donation. Mais à tous ceux qui étaient là aussi. Donc des gros bisous. Du coup, 1600 bisous en peu près en moyenne. À peu près 1600 bisous Eskimo à distribuer. Ça va être compliqué. Eskimo, pourquoi Eskimo? Bah, parce que je sais pas, les gens ils font que de parler des bisous Eskimo à chaque fois maintenant. Ils sont traumatisés depuis. Non plus que ça en tête. Ils ne veulent plus de road to poutre, ils veulent des bisous Eskimo. Voilà. Donc demain, on se donne rendez-vous à 19h. Oh, il y a un straw poll pour savoir qui entre toi et Imric l'emporte. Allez. Est-ce qu'on va pas voter pour toi là? Straw poll. Aïe 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 aïe. Les gens n'y croient pas. Donc dans tous les cas, demain 19h, la poissonnerie, on fait les versus Zerg 3BO, tout va bien. On va s'abandonner là. Demain, il y a beaucoup de boulot encore de préparer. Un petit tournage du 10h aussi, voilà, contre Imré, on va faire ça bien. Vous faites des bisous, bonne soirée. On peut rentrer la 7 en fait. Voilà, il est là. Donc c'est bien la semaine prochaine. Hein. Là, t'étais coiffé là. Jeudi. Ouais. Si, la tête est bien. Ouais. Bah, c'est une chance sur deux, ça dépend du coiffeur en fait. Voilà. Et le même t-shirt normal, je porte que ça. Ouais, je n'ai qu'un. Et vas-y, finis, conclue le stream. C'est tout. Du coup, merci beaucoup à vous de nous avoir suivis pour cette Holy Molly de toute beauté. On se retrouve demain 19h pour la poissonnerie avec Tekel, Yogo et Imré. Ça va être du sale. Soyez là, vous apprendrez à jouer contre Zerg. On vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne nuit. À demain les tipeurs. Ciao.